Chan, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un monkey bread. Donc c'est une sorte de gâteau de pâte finalement où vous devez tirer des petits morceaux de pâte par-ci par-là dedans. C'est vraiment sympathique à manger, ça ressemble vraiment à des cinnamon rolls niveau saveur puisque je vais les faire à la cannelle, au sucre brun avec un peu de beurre franchement. Et vu que c'est une pâte à cinnamon roll qu'on va utiliser aujourd'hui, vous allez voir ça va vraiment être ressemblant. En tout cas c'est super simple à faire et vraiment délicieux, ça plaira vraiment à tout le monde. Alors, je vais commencer par faire une pâte briochée type cinnamon roll. Je vous ai déjà montré comment en faire dans cette chaîne YouTube. Si jamais vous voulez voir la vidéo, le lien se retrouve dans la description de cette vidéo. En tout cas, pour cela, nous aurons besoin de farine, d'un petit peu de vanille, une grosse pincée de sel. Ensuite, j'ai un gros œuf, du beurre fondu, de l'eau tiède et du lait tiède. Donc, en fait, je les ai chauffés au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils soient tièdes et qu'ils ne brûlent pas au toucher. Ensuite, nous aurons besoin d'un peu de sucre et de levure instantanée, donc c'est de la levure sèche. Donc, je vais tout d'abord commencer par mettre mon eau tiède dans mon lait tiède, ainsi qu'un petit peu de sucre et toute ma levure sèche dans cette préparation. Et je laisse reposer le tout pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, je vais mélanger mes ingrédients secs, donc farine, sel et vanille. En gardant un petit peu de farine de côté car c'est possible qu'on n'ait pas besoin de toute la quantité de farine. Je vais ajouter mon sucre et je vais mélanger le tout pour que le sel soit bien réparti dans la farine puisqu'ensuite on ajoutera la levure. J'ajoute maintenant mon œuf ainsi que mon beurre fondu. Et enfin j'ajoute ma levure qui a bien gonflé comme vous pouvez voir. Elle fait vraiment, c'est vraiment particulier, ça sent très fort la levure. C'est exactement ce que vous voulez, donc c'est le signe que votre mélange est prêt. Donc vous l'ajoutez dans votre saladier. Et je mélange le tout pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène. Et si jamais ma préparation est trop liquide, j'ajouterai le restant de farine au fur et à mesure. Et ensuite, je vais pétrir le tout pendant environ 8 minutes jusqu'à ce que j'ai une pâte bien élastique et qui ne soit plus très collante au toucher. Et ce sera parfait. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma pâte est magnifiquement prête puisqu'elle ne colle plus au toucher. Elle est bien homogène, on voit les morceaux de vanille dedans, c'est génial. Donc je vais l'enlever de mon crochet. Et ensuite, je transvase ma pâte à monkey bread ou à brioche ou à cinnamon roll ou ce que vous voulez dans mon saladier. Et je le recouvre de film alimentaire. Et ensuite, je vais donc laisser reposer ma pâte pendant 2 à 3 heures jusqu'à ce qu'elle ait bien gonflé, qu'il y ait des bulles de partout, qu'elle soit bien légère. Et ensuite, on pourra la travailler et terminer notre monkey bread. Alors maintenant que notre pâte a bien gonflé pendant environ 2h30, on va pouvoir s'attaquer donc à l'assemblage du monkey bread. Et pour cela, vous aurez besoin de beurre fondu, mais je l'ai laissé un peu refroidir, il ne faut pas que le beurre soit bouillant. Ensuite ici, j'ai de la cannelle, de l'extrait naturel de vanille en poudre, ici mais vous pouvez utiliser liquide si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai ici du sucre de type bergeoise blonde, vous pouvez utiliser de la brune, je le ferai si j'en avais sous la main. Et j'ai ici du sucre blanc, donc c'est un mélange des deux. Donc je vais d'abord commencer par mettre la cannelle dans mes deux sortes de sucre, ainsi que mon extrait naturel de vanille, et je mélange le tout avec une fourchette. Alors je dépose ma pâte magnifique sur mon plan de travail, je la travaille un petit peu avec la paume de mes mains. Alors j'ai ici ma pâte magnifique, là j'ai un moule à savarin, donc c'est vraiment traditionnel d'utiliser ça dans une recette de monkey bread, qu'il soit torsadé comme le mien ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi utiliser un moule à angel food cake si vous en avez un. Et donc ce que je vais faire c'est tout d'abord beurrer un petit peu mon moule. Donc maintenant ce que vous allez faire avec votre pâte, c'est tout simplement former des sortes de boules de pâte. Franchement, vous fatiguez pas niveau taille, c'est vraiment pas important, vous faites ce que vous voulez, vous improvisez de toute façon. Et vous allez rouler votre morceau de pâte dans votre beurre, comme ceci. Vous enlevez bien sûr ce qui est en trop. Et ensuite vous allez les mettre dans le sucre
et vous allez rouler votre morceau de pâte dans votre sucre à la cannelle, comme ceci, et ensuite vous le déposez dans votre moule. Et donc en fait je vais faire ça avec toute ma pâte, donc ça va faire environ 30 à 40 petites boules comme ça. Je vais varier les tailles aussi pour avoir des boules plus ou moins grosses. Et ensuite je vais vous donner les dernières indications une fois que j'aurai préparé toutes mes boules et que je les aurai mises dans mon moule. Alors après une heure de repos, voici le résultat et ça sent déjà super bon. Trop hâte de faire cuire le tout et de déguster ça avec vous. En tout cas, je vais mettre le reste de mon beurre fondu sur l'ensemble de mes petits morceaux de pâte pour que justement ça crée une sauce absolument délicieuse. Donc je vais en mettre sur les côtés mais aussi au centre, donc comme ceci. Oui, c'est très beurré, je sais, mais de toute façon c'est pas une recette que vous allez faire tous les jours, croyez-moi. Donc voilà, je mets juste le restant de beurre. Et ça va cuire, ça va être délicieux. Dans mon four réchauffé à 180 degrés Celsius pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que le tout soit bien gonflé et que, par exemple, vous pouvez sortir une des boules, vous la coupez en deux et vous voyez justement si c'est cuit ou non. Et donc je vais faire cuire ça. Ensuite, je laisse reposer une dizaine de minutes et ensuite on va démouler le tout ensemble. Alors, j'ai ici mon monkey bread. Comme vous pouvez voir, il est magnifique et vraiment ce qui est caractéristique du monkey bread, c'est de voir justement les petits morceaux qu'on peut enlever d'ailleurs. Ici, il y a un trou, on se demande pourquoi. Donc, je vais goûter ça avec vous puisque ce n'est pas moi évidemment qui a déjà goûté ce morceau. Donc, il vous suffit en fait de tirer dans le pain donc votre morceau de brioche et comme vous pouvez voir, c'est super moelleux. Franchement, c'est extraordinaire. C'est limite encore meilleur que les cinnamon rolls, puisqu'en fait, finalement, vu que vous avez de la préparation partout à la cannelle et au beurre et au sucre, pas comme les cinnamon rolls où c'est justement à l'intérieur de la spirale, ici vous avez vraiment c'est collant partout, c'est vraiment pas sec du tout. C'est super bon, vraiment pas trop sucré finalement, et pas trop gras puisque j'ai quand même mis pas mal de beurre là-dedans, mais ça passe super bien. Franchement, n'hésitez pas à refaire cette recette en retrouvant les ingrédients dans la description de cette vidéo, donc la liste complète avec les quantités et tous les ingrédients que j'utilise dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette et un commentaire. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut !